Et salut tout le monde, c'est Mikra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Event Cube. Alors, notez que cet épisode est un épisode test, je tiens à le dire directement. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un live total, complet, qui va être, que je vais essayer de compresser en un épisode de, je l'espère, maximum 30 minutes. Mais si vous voyez le timer, vous savez si je suis arrivé ou pas. Donc, notez donc quelques petites choses qui vont être liées à ça. C'est qu'il n'y aura pas le son Minecraft parce que je mets de la musique en live. Et si vous voulez avoir la totalité avec tout le blablatage et j'en passe, et moi qui me plante, moi qui meurs ou j'en passe, probablement je mettrai mon montage si je meurs, mais le live sera en rediff, mais ça reste du 480p, je rappelle. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Donc voilà. Donc la 1.14 bug beaucoup pour ceux qui se poseraient la question. Beaucoup trop à mes yeux. On n'est pas passé à 1.14.1. Parce que la 1.14.1 bug aussi beaucoup. Là, vu qu'on est en dehors, on va augmenter quand même le render distance. Ce qui pourrait peut-être faire des baisses de qualité. En FPS, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc je disais 1.14 est toute pourrie, mais vraiment toute pourrie. On peut rien y faire, j'ai envie de dire. Alors on attend du coup avec impatience que la 1.14.2 sorte. Malheureusement, pour moi, elle n'est pas prévue. Notez par exemple, bon là je vais faire un MLG basique, mais je vais essayer de vous montrer. L'un des bugs qu'il y a sur Minecraft, qui est de la 1.14. J'essaie de visualiser, par exemple. Donc, par exemple, un bug de la 1.14. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 blocs. Donc, 4 blocs, on prend des dégâts si on tombe. J'ai un chute amorti 4. Donc, théoriquement, je ne devrais pas prendre de dégâts. Mais si on regarde bien, à demi-cœur. Donc ça veut dire que malgré le chute amorti a rien fait à mes points de vie. Donc les enchantements sont buggés. Et c'est pas une question que tel enchantement bug tout le temps, c'est que des fois quand on enchante, on le voit physiquement dessus, mais je pense qu'au fond il est même pas dessus l'enchantement. Il n'y a pas l'enchantement chute amorti sur mes bottes en vérité. Moi je vois chute amorti sur mes bottes, mais en vérité il n'y a pas l'enchantement. C'est Minecraft 1.14 est full buggé en vérité. Mais bon, ça. Notez que j'ai remis le gamin en mode normal, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc, j'aurais peut-être dû remettre le. Laisser le mode gamma à fond, peut-être. Mais bon, c'est plus. C'est moins triche. C'est ça le mot que je cherchais. C'est moins triche. Parce que sinon, là, je pourrais voir s'il y a des épaves sous l'eau et je trouvais que c'était pas très legit. Donc voilà, j'en ai pas parlé, mais voilà. J'ai enlevé le gamma. Et là, il y a un. On va garder ça, on va mettre des F3 au fur et à mesure à chaque fois. Et faire des screens pour moi. Ici, on a de quoi faire du puzzle. Bon, maintenant, vous allez me dire, le puzzle, on peut en faire quand on veut, mais. Là, c'est une zone où on peut farmer du podzol sans s'embêter à aller s'appeler de mouches. Ça y est, ça commence la période des mouches. Hein. On peut s'amuser à faire des arbres et à farmer, c'est sûr, mais c'est plus simple d'aller farmer directement. Bonjour Samuel, bienvenue sur ce live balade. On se balade. Ah, un petit truc d'intérêt que j'avais pas pensé. Des baies. De la 1.14, tiens, ça c'est un truc que j'avais pas pensé. Ah, c'est vrai que ça fait des dégâts. On peut les replanter directement comme ça, ouais. Ah bah nickel, je vais avoir des baies à la maison. Ah, là-bas il y a une épave. Là-bas il y a un bloc qui vole. C'est tellement chelou, je vais essayer d'aller voir après. Ouh, il y a aussi une faille ici. Alors, faut faire hyper gaffe parce que on m'a expliqué quand on nage et qu'il y a des blocs au-dessus de nous, ça fout le bug, donc on va faire gaffe. On va pas nager, on va juste descendre tranquillement. Y aller à pied.
Ah, moi, on peut pas. Et je vais me noyer. J'ai pas de respiration. Ouais, bon, sans respiration, c'est relou, ça, en fait. J'aurais dû prendre des popos. Ah, mais j'ai pas de quoi faire des popos de respi. On va tout prendre. Sans se poser de questions, pour essayer de pas crever. Ouais, bon, ben, la nage, ça va pas être mon truc, je pense. On va nager, hein. Même si on risque le bug, on va quand même nager, parce que sans nager, c'est juste horrible. Ah, mais il y a toujours le bug des portes. Bah, prenons une porte, hein, j'ai envie de dire. Je pensais qu'il avait résolu ce bug. Et s'ils l'ont pas résolu, on va pas se gêner, j'ai envie de dire. Le papier, ça peut être utile. La montre, en vérité, totalement useless. Mais je crois qu'on va clairement utiliser une porte. Ah, c'est vrai qu'il y a ces nouveaux trucs. Ah, ça peut être intéressant. Et ça ne nous dit pas quelle soupe c'est. Testons en espérant que ça soit pas un truc genre poison. Ah, mais il faut que je puisse manger pour la prendre, non? Ouais, il faut pouvoir manger. On testera ça tout à l'heure. Du coup, on a eu une petite carte. J'arrive pas, j'ai pris l'habitude hein, d'avoir une respiration sur mon casque avec les cisailles. J'aurais dû prendre du fer vraiment. Ah, mais j'ai eu du fer dans le. Ah, bah c'est nickel ça. Merci, j'avais totalement zappé comment former le. Il y a le coffre, mais on va remonter parce que je suis pas doué. Et on va poser une porte. On va exploiter bug quand même. Ah voilà, ça c'est le truc que je voulais, cœur de l'océan. Rappelez qu'il y a un coffre abandonné ici. On va remonter. Et on va voir. Ah, bah elle est partie l'autre, c'est ça? Voilà, on va la target pour qu'elle revienne faire des bébés. Hein? Grâce à Azerty, on va pouvoir essayer d'avoir des œufs. On va voir. Essayer de target l'autre là. Allez! Viens la tortue. Tortue, viens. Allez, viens. Viens, viens. Oh oui. Oh oui. Oui, tu vas manger. Ah. Non, ça en fait des particules. Oui, 3 en plus. Ah. Hein? Ah non, c'est avec un toucher de soi aussi. Oh merde. Ah bah, je croyais qu'on pouvait les récupérer aussi avec une cisaille. Oh merde. Je viens de tuer deux de tes bébés. Ah bah, c'est la foule connerie. Bon bah, tant pis. Sinon, il faudrait. Ah non, non, tant pis. Ah bah, merde. Ah bah, merde. Bon bah, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Hein? Peut-être plus grand que je ne le pensais en fait. Hein. Ça fait beaucoup de blue eyes, ça quand même. Ça peut être intéressant à venir farmer.
c'est pas très logique, hein. Ça disperse comme ça. Les autres sont jolis, franchement, ils ont bien géré de ce côté-là. Mais il y en a qui sont, se génèrent, voilà, comme cela. Dégueulasse. Ah. Une maison à dronette qui s'est générée. Ouh, avec un dronette et du lag. Ouh, et du beaucoup de lag. Et du coup, les zombies qui courent. Forcément. Une canne à pêche, malédiction. Bah, sérieux. Sérieusement. Alors, sûrement, il y en a sous l'eau, vu qu'il y en a un ici buggé. Voilà. Il y a des zombies ici, il y en a sûrement un. Ou deux. D'autres. J'espère qu'il n'y aura pas de trident. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai déjà. Oh, wow, il y en a. Le problème c'est que. Ah non, c'est une canne à pêche. Le problème c'est que les tridents ils font mal. Et j'ai pas envie de tenter le diable. Alors j'aime mon arc, mais l'arc sous l'eau ça. C'est mort. Et on va clairement faire l'astuce de la porte, hein. On va pas se gêner, hein. Je vais être franc. Moi j'étais persuadé qu'ils avaient enlevé ce bug. Mais comme ils l'ont pas fait, on va en profiter. Il y en a un autre quelque part. Il est en dessous, il est bloqué en dessous, le pauvre. Faut mieux y aller doucement comme ça. Et de perdre des PV, moi bêtement. Ah, on peut manger! Voyons ce que nous donne cette magnifique popo. C'est un effet de rapidité. Pourquoi pas? Oh, il y a des chevaux ici. Mais j'ai pas de sel. Oh, tant pis. Et un désert, enfin. Putain, mais à mon avis, il est un peu loin ce désert. On va quand même noter les coordonnées. Je l'ai fait deux fois. De ce désert. Ça peut être utile si je trouve pas un autre désert. Au moins on aura une zone de farming de sable. Là il y a une selle. Il n'y a pas de. Enfin il y a une armure. Ah, une pomme en or. Ça peut être utile. On va mettre les conneries qu'on a. J'ai quand même gardé du. De trucs de quoi remonter. Deux pommes en or. La ficelle. Ah, la ficelle, en fait, je vais en prendre parce que pour le moment, on n'a pas de spawner araignée. Une poudre de creeper. Les yeux, ça peut être utile, mais bon. C'est pas non plus vital, j'ai envie de dire. Donc. Les os. C'est pas aussi chiant à farmer actuellement que le. Que les fils. Et les fils, j'en aurais besoin pour faire des échafaudages. J'ai du mal à dire ce mot. T'as abusé. Bon. Salut! Y a le Salut. chou qui rentre dans la partie, tu vois. Je suis tout seul, comme d'habitude. Je génère beaucoup, hein. J'ai pas précisé. Moi, je vais direction sud, non-stop. Il est loin. Ah oui, des cactus, on va les prendre, tiens. Je suis bête. Ouais, ça peut être utile pour les colorants, ça. Ouais. Parce que là, je fais un live où j'essaie de récupérer quelques ressources. Mais y a personne qui m'a contredit sur mon live, alors. Les deux, trois personnes qui sont venues. Quand je disais que c'était un bug. Bon, ben j'enlèverai ça au montage de mon épisode alors, si c'est pas un bug. Oh purée! Oh non! D'ailleurs, moi j'ai mon épisode 2 qui est en train de. J'hésite, attends. Qui est en plein Il y rendu. a. Il y a un. Non, je vais crever. Il y a un groupe là, tu sais, qui viennent de. Des pillagers Ah, qui les viennent de spawner. piégeurs! Ah oui, d'accord.
Ouais, évite, ils sont assez violents. Est-ce qu'ils targetent un village directement ou quand les patrouilles ou Là, c'est une patrouille classique. Tant mais qu'ils rencontrent pas de village, ils sont. je veux dire là ils se dirigent dans Non, une direction mais est-ce que si je les suis je vais retrouver un village ou est-ce que non, ils se promènent aléatoirement. bon, en tout cas je vais Sans pas les buter spécialement aller vers un village, quoi. parce que Ils se déjà promènent aléatoirement en cherchant un village. ils sont 5 et il me semble que quand tu tues celui qui a la machin, t'as un bas domaine. J'aimerais bien Ouais. trouver un village sans générer Ouais. un raid, c'est ça. Bon, on va voir. Bon, au moins, on a vu une génération Une de. patrouille. Une patrouille, une magnifique patrouille. Et vu que j'aurais peut-être mis cette génération de patrouille au montage, je suis avec Edchou. Et là. On se balade. Je suis dans une Je peux pas savane. vraiment me co serveur pour l'instant. Oui, pas de problème. Que là, tout mon proco est bouffé par le par Vegas. Toute manière, comme je t'ai dit, je suis à presque 5000 blocs de la maison. Et là où ça, j'en ai parlé avec Virtuel, mais je crois que t'en a pas parlé. Mais il y a bel et bien plein de bugs sur la 1.14, ça, on est tous conscients de ça. Mais Virtual et moi, on a chute amortie sur nos bottes et on prend quand même des dégâts. Oui, vous prenez quand même des dégâts, mais amortis, justement. Ah non, non, on Pas prend les des dégâts. mêmes. Les mêmes. Du coup, Ah? moi, je tente pas le coup, mais genre, tu sautes de 3 blocs, tu prends des dégâts. C'est pas normal. Tu sautes de 3 blocs, normalement, tu prends rien. Avec un chute amorti 4. Donc, notez que. Et après, virtuel, oh, des renards! Ouh, les renards! Ça loot quelque chose, les renards, tiens. Non, on va pas les buter. Le renard, non, il loot rien. Je disais. Je sais plus. Ça m'a distrait. Ah oui, du coup, virtuel sous-entend qu'il y a d'autres enchantes qui bug. Il me rappelle plus, il me les a dit. Mais moi j'ai pas l'impression. Enfin moi il y a surtout cette enchante, je suis sûr et certain qu'il bug, c'est pas normal. Mais d'après Bah écoute, lui, je vais faire des il y a d'autres tests et puis enchantes. si jamais il y a quelque chose, j'en ferai une vidéo, tiens. Comme ça c'est la point 14 quoi, c'est pas. Ouais. Pour rien y faire quoi. Mais oui, je confirme que la 1.14 est rushée dégueulassement. Je me suis gouré pour l'autre bug, hein, parce que je croyais que j'étais persuadé que c'était. Ouh, il y a un drone quelque part. Oh, il est là. J'étais persuadé que c'était un bug, mais en fait, bah, tu me dis que non. Mais ouais, je vais faire des tests demain, puis si jamais il y a un bug, ouais, je ferai une vidéo dessus. Que là, sur le coup, tu me donnes un doute, là. Après, je vais pas regarder s'il y a des gens qui ont fait des retours sur des vidéos retours sur les bugs qu'il y a sur la 1.14, parce qu'il y en a un. Hein. Mais celui-là, il est flagrant. Bon, il a l'air de ne pas avoir de trident, donc tant mieux. J'ai envie de dire. On va se déplacer un peu. Ah, il y a une canne à pêche. Il l'a looté, mais je crois que c'est une canne à pêche toute pourrie. Ouais. Ah, lol. Il a pris des dégâts bêtement. Petit coffre en dessous là. A pas deux aussi. Ah non, il a pas trois, il a pas deux, j'ai pas. Ouais, ça va pas le coup de marquer ici, hein, pas d'intérêt. Non! Ma porte! Ma porte! Viens ici, porte! Je veux pas de vos cannes à pêche toutes pourries là. Dégagez. Je veux ma porte. Après la génération. Ah, ça peut faire des trucs jolis, hein. Je dis pas le contraire, mais. C'est quand même buggy, hein.
Mending. Oh putain. Deux. Ah, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je pourrais la filer à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ah, il y a trop de choses à mon inventaire. On va dormir. Ah. C'est ma kick. Le chat qui décide de venir. C'est le chat qui m'a fait kick. Allez, on revient au chat. Ah, miaule pas ici. Désolé. Le chat qui gueule dans le micro. Hein? Mon chat qui a perdu le mixeur, j'ai l'impression. Les chats. Je suis désolé s'il vous a niqué les oreilles. Il a miaulé pile dans le micro. Je suis désolé. Du coup, je sais pas si on commence à rentrer, ou est-ce qu'on essaie de faire un portail. Du nether, et on rentre par le nether. On va. Où est-ce qu'on se balade encore dans le secteur? Je pense qu'on va, on va aller vers, retourner vers la maison. Essayer de pas se perdre, ça sera déjà un exploit. Parce que j'avoue, je connais même pas les coordonnées de chez moi. J'avais même pas capté qu'il y avait un casque en or ici. Ou sinon, j'avais pas vu le coffre qui était ici. Salut, Murda. J'ai lu Mordor, désolé. Modrox. Ah, on va pouvoir prendre la popo. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance au tirage? Suspense, qu'est-ce qu'on va avoir comme popo? Poison, la pire. Magnifique, bon, c'est le moment d'avoir un mob qui nous tombe dessus. Je te jure, bah, il fallait tenter le coup, hein. Ah. Fallait tenter le coup de la popo suspecte, hein. Tout à l'heure, on a eu vitesse et on a eu. J'ai oublié. On en a une autre. Ah oui, on a eu le contraire, on a eu. Je sais plus c'est quoi. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai un trou de mémoire. Cette fleur-là, elle donne quoi? C'est une nouvelle fleur là. Le muguet. Fait du blanc, ok. Bon à savoir. Ah, ça peut être utile. Et on pourrait dire des. Ça, c'est une fleur qui se reproduit, donc ça peut être utile. Même si, bon, c'est une couleur dégueulasse. Mais ça peut permettre de faire de la décoration. Donc, on a Apollyon qui s'est connecté. Il y a des creepers, donc on va lui dire bonjour dans le lac. Alors, je sais pas pourquoi je dis un peu en vocal, mais c'est un pote à un pote. Moi, je le connais pas très bien, Apollyon. Alors, j'ai dû la faire, c'était pas avant venant. Elle est tellement visible. J'ai un doute, hein, donc on va y aller. À mon avis, je l'ai pas fait. Si je l'ai fait, tant mieux. Mais... Ah,
D'accord, il met du temps à générer, ça veut dire qu'il s'est généré. Ah, donc je l'avais pas fait. Ok. Papier. On retente le coup? Ah, on retente le coup. La popo. Ouais, si j'ai. Ouais, il faut avoir la possibilité de manger. Donc, on verra bien. Alors, je suis tout en bas à droite, donc je dois aller au nord-ouest. J'ai toujours la popo, on va prendre le risque. Prenons le risque une. Je vais dire une quatrième fois. Ah, ben, l'effet, il a tout de suite disparu. Il est apparu, puis il est disparu. J'ai même pas eu le temps de le voir. Tristesse. Peut-être au montage, je l'aurais vu, mais là, je l'ai pas vu. Ça allait trop vite. Il pleut. Oh, mais c'est la première fois qu'il pleut sur ce live. Là, ça veut dire qu'on a fait 2 heures. Sans pluie. Non, vous vous rendez pas compte de l'exploit qu'on vient de faire? 2 heures de live sans pluie. Putain, c'est un exploit. Je crois. Ah mince, je voulais spoiler la maison de H. Je viens d'arriver là. Déjà, je vais essayer de pas spoiler la mienne. Voilà, regarde pas à droite. Bon, d'un côté, vous êtes spoilé en soi, parce que si je tourne pas la tête à droite, c'est qu'il y a une raison. Ah. Et par là-bas, derrière le brouillard, là-bas, il y a la maison de Belchou. Est-ce qu'on va plus près? Est-ce qu'on va plus près? Est-ce qu'on va plus près? Ah, il y a une forme, il y a une forme. J'ai encore fait un live où je repasse à 100 abonnés. Demain, dans 2-3 jours, je vais repasser en dessous des 100 abonnés. J'en ai marre, ça fait depuis décembre que je passe au-dessus des 100 abonnés, que je redescends après, puis je repasse, puis je redescends. C'est toujours comme ça. Saoulant. Je te confirme. Bon, résultat des courses, 5 cœurs de l'océan. Si ça t'intéresse, j'ai 3 cannes à pêche mending, si t'en veux une. Ça peut être utile. Je les ai pris au cas où. Donc pour l'instant, j'en ai pas spécialement utilité. Donc. Bah, ça permet de pouvoir peut-être pêcher un livre mending. Moi, je trouve que c'est tout pourri de tester avec ça, mais le virtuel, il a essayé. Il a eu des problèmes. En vérité, non, mais. Pour la vanne. Apollon qui est passé, mais il est pas venu en vocal. Il est retourné en créa, il veut tester un truc, il va revenir. J'ai mis mes gems dans mon under chest, mais j'ai pas d'under chest, c'est moi. Intelligence. C'est parti. Hop. Pour la mise en ligne. T'as pas encore lancé le plot, tu lances maintenant. Ouais. Après, j'ai l'habitude de les sortir maintenant à 20h30 mes vidéos. Elle sera diffusée à 20h30, putain, ouais, t'as une meilleure connexion que moi. Alors. Ou tes épisodes sont mieux encodés, peut-être. Bah avec Vegas, ouais. Il pèse combien ton épisode? Assez lourd, je crois, pour du MP4. Ça reste honnête. Combien? 2,77 Go pour du MP4. Et tu Pour vas 20 arriver minutes. à finir le. En 20 minutes? Putain, ouais. Voilà. Je vais rester poli. Je suis en live. Bon. Ah, j'ai bien de me rendre compte que j'ai pas fait de vraie clôture en disant, eh, regardez, j'ai fait ça sur.
mettrai moi qui dit. Alors j'ai ça, suffisant. Bouquin, papier. Tac, tac. 46 émeraudes, attention. Ça rigole pas. Hein. Tiens, je vais miner mes émeraudes en. Je sais toujours pas pourquoi je les ai pas fait. Mes émeraudes brutes, avec ma fortune. Passage. Et j'ai trouvé aucun village. Pas de chance du tout. Bon, après, tu vas me dire, je suis parti en ligne droite. Hein, donc. Il y avait ce qu'il y avait sur la ligne droite, quoi. 33. Ce qui me fait plus d'un stack d'émeraudes. J'ai toujours bon à prendre. Ah, j'ai testé la. J'en ai testé 4 en tout. J'en ai eu une poison de soupe. Vu qu'il n'y a pas la régène, ça m'a fait flipper quand même. En plus, il faisait nuit. J'ai fait. Ça pue la mort. Bon. Vous avez rien vu sur le live. Vous n'avez rien vu. Il n'y avait qu'une forme, c'est tout. Vraiment, ça allait très vite. Vous avez rien vu. Du coup, je vais faire mon outro de la vidéo. Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'on fait quelque chose en plus? Ou est-ce que j'arrête le live là? Je ne sais pas. Apparemment, vous ne parlez plus, les gens. S'il y a encore des gens, c'est la question. Ils Est-ce qu'il y a sont encore des gens? décédés. Ils sont tous décédés. Enfin bon. Du coup, petit outro pour moi. Normalement, si tout va bien, vous avez eu un épisode de balade. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de blabla, à mon avis, j'aurais pas gardé beaucoup de blabla dans le montage. J'aurais juste surtout gardé moi qui trouve certaines choses. Et peut-être le fait qu'il y ait El Chou qui est là actuellement avec moi. Mais sinon, à part un peu de blabla avec El Chou, le reste, vous avez que moi qui trouve quelques trucs. Alors, je suis déçu, on n'a pas trouvé de village. J'aurais bien voulu. N'a pas trouvé de Messa non plus. Mais bon, tant pis. Peut-être un prochain live expédition. Aujourd'hui, c'était un test pour moi de faire un live de 2 heures et quelques. Parce que l'épisode que vous avez eu, bah, il a duré le temps que vous voyez en bas. Mais là, on a fait un live de 2 heures et demie. Au montage, j'essaie de faire un épisode de 30 minutes en maximum. On verra. Donc, si j'y suis arrivé, vous le voyez, pendant qu'il y a une poule qui me picore les fesses, je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire au revoir et dans un prochain épisode, n'hésitez pas à être là en live, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des lives, justement. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!